j'espère que vous allez bien, c'est les Tyros, on se retrouve pour la deuxième partie de cette méga ouverture Clash des Rebelles. J'espère que ça vous plaît, la première vidéo vous a plu visiblement. Donc voilà, c'est plutôt cool, n'oubliez pas, c'est très important, mettez un petit pouce bleu et partagez cette vidéo un maximum et abonnez-vous. Vous êtes 50% à regarder les vidéos et les ouvertures et à pas être abonné, donc n'oubliez pas. Abonnez-vous, c'est important pour la chaîne et si vous kiffez ces vidéos, c'est important pour moi. Voilà, merci à tous de votre soutien. On va commencer avant avec une petite réception. Hop. Donc, comme vous le savez, les doubles de ces séries, je les échange. Donc, soit sur le Discord, soit sur Instagram directement. Et donc voilà, avec le petit message, merci à toi Cyril pour ce magnifique échange. Donc, recherche professorale que l'on a eu du coup en full art. Le petit Tenefix, bon, qu'on a eu entre-temps dans une autre ouverture, mais bon, c'est comme ça, on pouvait pas savoir. Et Dolman VMAX également, en full art. On traîne pas, on commence, on s'ouvre tout de suite, donc du coup, un nouveau. Peu importe. Allez, ceux-là. Pyrobut. Donc le Pyrobut, il me semble qu'on en a un petit peu plus. Ouais, on a 32 boosters aujourd'hui. Du coup, on a 32 boosters à ouvrir. Hop, je mélange, on s'en fiche, on verra bien. J'espère qu'on aura une belle ouverture. J'espère que vous avez vu la dernière ouverture, elle était pas mal du tout. On a eu quand même pas mal d'ultra et beaucoup d'holographiques. Donc voilà, on y va sans plus attendre, c'est parti, on commence. Allez, on croise les doigts pour se faire vraiment une très très belle ouverture. Ça serait vraiment cool, vraiment vraiment cool. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, on y va. Avec grand saut, je vais essayer d'aller un peu plus vite que la dernière fois, puisque voilà, la dernière fois, je voulais vraiment, enfin, j'attendais tellement ces cartes, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Batrachné, Toxizap, Monsieur Mime de Galar, Blitzy, Poichijon, hop là, bah, j'en ai loupé une d'ailleurs, Chelours en reverse, et derrière, pas d'ultra, mais un Miesmax en rare pour ce premier booster. On va essayer de s'organiser, comme d'habitude. Hop. Donc les codes online, je les garde pour jouer sur le TCG, comme vous le savez, et j'en donne quelques-uns. N'hésitez pas à venir sur les lives, voilà, et demander quand vous en avez besoin de petits codes online, c'est avec grand plaisir. Mais là, il me faut un deck absolument pour une petite compétition sympathique organisée par un autre YouTuber qui s'appelle Berg. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, c'est sympathique comme tout. Mouflair, tout à fait. Arcado, Nounourson, Smogo, Grimalin, Magmar. Oh, elle est jolie celle-là. On l'avait pas vue encore celle-ci, la Magmar, je crois pas. Non, ça me dit rien. Elle est vraiment très très belle. Très très belle illustration. Donc Magmar en reverse et la première ultra rare. La première ultra rare, deuxième booster déjà, une ultra BK Glaçon. Ok, cool. Cool, on l'avait pas. On l'a pas encore celle-ci. BK Glaçon. Bon, ça, pour moi ça ressemble pas trop à un Pokémon, mais bon après pourquoi pas, hein. Mais c'est une jolie carte, l'illustration est sympa, pourquoi pas. Et c'est la première V, la première ultra rare, donc on va pas s'en plaindre. Allez, on continue. Donc une ultra déjà, pour une fois qu'en début d'ouverture on a des ultras, ça c'est cool. Allez, on continue. Crisacier, Bandana Brûlant, Liv, Dieu Darumaron, pardon. Goupix, Crémy, Canartichaud de Galar, Miaous de Galar, Moufouette en reverse, et derrière, Astacuda. Astacuda en rare. Voilà, donc ça c'est l'évolution d'Ambrochet, on ne l'a pas vu souvent. Celle-ci, je ne suis même pas sûr qu'on l'ait encore. Je me suis fait ma petite liste, bien évidemment. Comme d'habitude. Hop. Allez, on croise les doigts. J'aimerais avoir un petit gold dans cette ouverture. Visiblement, il y en a des très jolis, les golds. Electrode, Arrache-Outil, Pelmodite, Fantirme, Blitzy, Opermine, Darumaron, De Galar, Goupix, Duralugon. Donc, Duralugon, c'est une carte qu'on avait eue en carte promo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, en rare reverse. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et derrière, un Cryptero en rare. Donc une rare river, ça c'est cool. On l'a eu dans les tripacks, la carte promo de Duralugon, qui était avec la Rayquaza. Allez, Dimoclès, Lombré, Chapotus, Coraillon de Galar, Opermine, Insécateur, Vostourneau, Fantirme, Tarinor en reverse, et derrière, oh nice, Arcadin.
Arcanin, elle est très très belle cette illustration. Arcanin en rare. Sympathique comme tout. Dommage qu'il n'y ait pas d'holographisme sur celle-ci. Ça pourrait être sympa, vraiment, d'avoir un petit holographisme sur cette carte. Ça pourrait être cool. 1, 2, 3, 4. Allez, énergie feu, arrache outil, pelle maudite, mascadra, rond gourmand, vert pomme, tritonde, miasme, galvaran, morpeko en reverse. Et derrière, un ronflex. Très jolie illustration du ronflex. Elle est belle celle-ci. Elle est sympa. Le ronflex, c'est souvent un peu. Ouais, c'est vraiment souvent les mêmes illustrations. Mais là, celle-ci, elle est sympa. Elle est dans une autre position. Il sourit. C'est pas mal. Bon, une seule ultra rare pour le moment. On a ouvert quoi? On a ouvert 5-6 boosters. 1, 2, 3, 4. Il en reste encore pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, on en a ouvert 6. Et pour l'instant, une seule ultra. Allez, Lombré, Chapotus, Pelle Maudite, Verpomme, Bibichu, Embrochet, Miaouz de Galar, Arcado, Trépassable en reverse. Et derrière, ah bah voilà, la première holo. La première holographique. On l'a déjà eu deux fois. Donc celle-ci, elle va partir à l'échange contre d'autres holos que je n'ai pas. Voilà, donc n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, vous me rejoignez sur Instagram. Donc les Chiro-du-8 Cosp, il est dans la description si vous voulez. Et on regarde ça pour les échanges avec grand plaisir. C'est plus facile que sur Facebook pour envoyer des messages que sur Facebook, on les voit pas bien. Avec les pages Facebook, c'est un petit peu galère, je trouve. Donc voilà, donc n'hésitez pas sur Instagram, c'est beaucoup plus simple. Charmina, Fourbelin, Batrachné, Poichijon, Galvaran, Voltorb, Bacabou, Goupix, Dimoclès en reverse et en rare à nouveau Ronflex. Bon, tu nous sors des ultra rares. Hein. Tu nous sors des ultra rares, ça serait cool un peu. Allez, 1, 2, 3, 4. En tout cas, les cartes, elles sont belles, elles sont pas abîmées. Ça, c'est cool. Vagomine, Chapotus, Pokéball, Tutafé de Galar, Arcado, Mounourson, Smogo, Grimalin, Voltorb en reverse et toujours pas d'ultra, mais un Ludicolo. Donc ça, le Ludicolo, je crois pas qu'on l'ait eu encore. Ça ne me dit rien. L'illustration est très jolie. Allez, sors-moi une petite gold, une petite full art, là. Quelque chose comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Électrode, Xatu, Lombré, Monorpal, Tritonde, Vostourneau, Corillon de Galar, Toxizap, Barloche en reverse. Et derrière, une nouvelle... Ah, on l'a pas, celle-ci. Une nouvelle holo, ça me dit rien. Corayome de Galar, je crois pas que je l'ai en holo. Elle est magnifique. L'holographisme est vraiment très très beau. Ça c'est cool. Donc elle a un talent cette carte. Si ce Pokémon est sur le poste actif et est Mikao, par les dégâts d'une attaque de votre adversaire, lancez une pièce. Si c'est face, le Pokémon attaquant est Mikao. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Ça peut être des cartes intéressantes dans vos decks. Si vous avez un deck psy, ça peut être très intéressant comme carte. Allez, ce serait bien que tu nous sortes des belles cartes un peu là, on n'est même pas à la moitié encore, mais pour l'instant on n'a eu qu'une seule ultra et c'est pas une ultra de ouf non plus. Donc Fourbelin, Charmina, Pokéball, Bacabou, Goupix, Smogo, Lixi, Tutafé de Galar, Karatroc en reverse, et ben voilà, il suffisait de demander, la 136 sur 192. Pachiraja en V, il me semble qu'on a eu le Pachiraja en V max, mais il me semble pas qu'on a eu le Pachiraja en V. Donc ça c'est cool. Si c'est une carte qu'on n'a pas, il me semble pas qu'on l'ait eu. Hein. De mémoire, bon après c'était ça, j'ai tourné l'autre vidéo jeudi, on est lundi. Je me rappelle plus trop les cartes comme c'est le début, j'ai pas encore mis le nez beaucoup dedans. Je les ai juste triées, c'est tout. Mais il me semble pas qu'on ait eu le Pachiraja V. Redites-moi dans les commentaires, mais je pense pas. Je ne pense pas. Et dites-moi aussi si vous, enfin, s'il y avait une gold à sortir, laquelle vous préférez, sachant qu'il y a deux Pokémon en shiny du coup dans les gold. Je me suis un peu fait spoiler sur les réseaux sociaux. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez comme Pokémon. Chapotus, Pelle Maudite, Hexadron, Goupix, Smogo, Lixi, Tutafé de Galar, Verpom, Electable, pardon, en reverse et derrière en rare un Déflaisant. Elle est jolie la Electable. Donc c'est une rare reverse, elle est vraiment très jolie. C'est des bonnes cartes, mais il faudrait qu'on ait un petit peu plus d'ultra là, parce que là pour l'instant, c'est pas ouf. 1, 2, 3, 4, c'est pas ouf, deux seulement, deux ultra rares seulement.
Mascadra, Dimocles, pardon. Énergie capture, sécateur, Tarinor, Goélise, Smogo, Archéomir, Fantirm en reverse. Et derrière Charmilly en rare. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? 3, 6, 9, 12, 13. Il nous reste 13 boosters, donc on a fait la moitié. On a fait la moitié et pour l'instant, on a que, j'ai dit bien, que 2 ultras. J'espère vraiment que ça va, qu'on va en avoir un peu plus. Parce que là, ça fait léger quand même. Là, ça fait vraiment léger. C'est le jeu, hein. C'est le jeu des tripacks. Voilà, c'est, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. C'est pas comme dans un... comme dans un display où on est assuré d'avoir des commandes, des ultras, là on n'est pas assuré du tout. Donc Monorpal, Tritonde, Vostourneau, Corailon de Galard, Toxizap, Barloche en reverse, et voilà la première full art. Par contre, on n'est pas assuré d'avoir des ultras, mais par contre on a beaucoup plus de full art je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a énormément de full art, chose qu'on n'aurait pas dans un display. C'est sûr et certain. Dans un display, on aurait eu pas mal de cartes V normales, on va dire. Mais de la full art, on en a quand même pas mal. Donc, on va pas se plaindre. Alors, la 183 sur 192. Lansorien V, on l'a pas. Elle est magnifique. Vraiment, les cartes V sont beaucoup plus belles que les cartes GX qu'il y avait avant. Les effets de cartes sont vraiment plus beaux, à mon avis, hein. Après... je pense que ça peut être une série qui peut faire redémarrer fortement Pokémon et le jeu de cartes en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, les cartes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belles que la série Soleil et Lune. Donc il y a moyen vraiment de faire redécoller tout ça et ça peut être cool vraiment pour tout le monde. Tac, redonner un nouvel élan à ce jeu, ça pourrait être sympa. Allez, on continue. Morpeko, Grand Saut, Énergie Frayeur, Electek, Natu, pardon, Monorpal, Grimalin, Magmar, Mouflair en reverse, et derrière, Cryptero en rare. Bon, ça fait plaisir, la petite carte full art, là. Ça fait plaisir. Ouais, il faudra encore deux ultras, ça serait bien. Deux petites ultras, ça serait cool, ça serait une belle ouverture. Une petite gold, ça pourrait sauver... même une seule gold, ça, je préfère une seule gold que deux ultras. Disparaît-il, Colombo, Embrochet, Miaouz de Galar, pardon, Arakdo, Magikarp, Meditica, Melodelph en river, c'est une nouvelle ultra. La 92 sur 192, il me semble pas qu'on ait ce genre de carte. Et non, on l'a pas, c'est le Lansorien V. Donc ça c'est top, parce que du coup, bah, je vais pouvoir vous montrer les deux illustrations. Lansorien V et Lansorien V en full art. Voilà, comme ça, vous avez les deux illustrations. Elles sont vraiment très, très belles. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. 4 ultras. Voilà, encore une, et puis on aura une belle ouverture. Donc, dans la précédente, on a eu 5 ultras. On a eu pas mal de... j'arrive pas à l'ouvrir, celui-là. On a eu pas mal de cartes full art. Et on a eu énormément d'holo également. Mais ça, on peut pas... voilà, c'est aléatoire. Voilà. Allez, on y va. Scarino, Grand Saut, Stade de Greenbury, Voltorb, Bacabou, Goupix, Smogo, Lixi, Igualta, qu'on n'avait pas encore en rare. Et ah, voilà une petite holo. Suffit d'en. À chaque fois qu'on demande quelque chose, on l'a. Il faut qu'on demande une gold. Lugularbre en holo. Très joli également. Ça, ça fait plaisir. Donc 3 holos et 3 ultras. Non, 4 ultras, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Désolé, un petit problème à l'œil. Stack. Allez, on croise les doigts pour une petite gold. Parce que visiblement, il faut les appeler pour les avoir. Ne casse pas tout. Ne casse pas tout, ça va bien se passer. Chapotus, Pelle Maudite, Hexadron, qui est très joli d'ailleurs en carte V. Smogo, Lixi, tout à fait de Galar, Verpom. Et les câbles à nouveau en rare reverse. Et derrière, Arcanin en rare. Et les câbles, du coup, qui sera à l'échange en rare reverse. Je sais que c'est des cartes qui sont pas faciles à avoir, celles-ci. 1, 2, 3 et 4. C'est parti. Allez, donne-nous une belle petite carte, là, s'il te plaît. L'ombre est... peut-être faire de la place après. Après ça, je vais faire de la place. Brutalibré, oui, Messire, Lixi, Charby, Verpom, Bibichu, Magikarp... Electrode en reverse et nice, ça c'est cool. Je fais de la place, le temps de faire de la place, abonnez-vous, vous êtes 50% à pas être abonné, voilà, donc oubliez pas, abonnez-vous, ça vous prend 2 petites secondes, vous appuyez sur le bouton et c'est important pour la chaîne.
Vous savez que sur une seule vidéo, si 50% s'abonnent, on dépasse les 3000 abonnés. Donc c'est vraiment ouf. Et plus vous vous abonnerez, plus la vidéo sera partagée. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. Ça vous prend 2 petites secondes. Et c'est important pour moi. Et vous, ça vous fait pas grand chose. Au pire des cas, vous activez pas la cloche si vous voulez pas voir toutes les vidéos. Mais vraiment, s'il vous plaît, essayez un maximum de vous abonner. Ça serait cool. Et on s'ouvre donc la 176 sur 192. Et c'est Blanc Coton V avec un talent. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc pendant votre tour, vous pouvez ajouter une carte supporter de votre pile de défausse à votre main. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un talent qui sert qu'une seule fois par contre, mais c'est plutôt sympa. Et encore une fois, une full art, encore une fois. Voilà, donc voilà pourquoi j'aime ces tripacks. Vraiment très très joli, très très joli. Et donc du coup là, on a les 5 ultra qu'on souhaitait. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Maintenant ça va être que du plus. Ça va être que du plus. Croisons les doigts pour avoir encore quelque chose. Il reste combien de boosters? Il reste 3, 6 et 7 avec celui que j'ai dans la main. J'ai pas fait le 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc il reste encore de quoi avoir de belles cartes. Allez, on y va, c'est parti. Maintenant que vous êtes tous abonnés, Brutalibré, Fourbelin, Crémy, Canartichaud de Galar, Miaouss de Galar, Chenipan, Corailon de Galar, Pomme Drapi en rare reverse. Et voilà, une nouvelle ultra. Ça, c'est cool. Et toujours les fins d'ouverture. On a beau mélanger, c'est toujours les fins d'ouverture. Ça, c'est... Je sais pas pourquoi. Salarsen V. Donc, on l'a eu en carte promo, le Salarsen, dans la précédente édition. Donc, l'âge des rebelles 1. Hop. Et donc le petit Salarsen V qui est très joli. Une nouvelle carte ultra rare. Donc on en est rendu à 6. Là, ça nous fait une belle ouverture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires à la fin la carte que vous préférez de cette ouverture. On n'a pas encore eu de gold. Ça serait bien. Énergie jumelée, Igualta, Dimoclès, Tritonde, Miasme. C'est dur à dire celui-là. Galvaron, Monorpal, Funessir, Crapustule en reverse et en rare, un Lugularbre en Nolo, une nouvelle holographique. Je vous la remonte rapidement, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. J'ai été un peu plus vite sur cette ouverture. Je sais que certains m'ont demandé à ce que j'aille plus vite. J'essaye d'aller un peu vite sur ces méga ouvertures pour que ça dure pas trop longtemps. Mais je pense que 20 minutes, ça va, c'est pas excessif. Pépite, Mouflair, Bibichu, il y a un sécateur, Tarinor, Goélise, Smogo, Lombré en reverse, et derrière en rare, un Maganon. Maganon, on ne l'a pas encore eu, cette carte. C'est cool, l'évolution de Magmar qui va aller dans la collection, ça c'est sûr. Hop. Allez, donne-nous encore, il reste encore 4 boosters. Donne-nous une petite carte sympathique pour finir cette ouverture. Percy, Karatroc, Luxio, Nenupio, Caninos, Charbi, Melitica, Larvibulle, Pépite en reverse et non, pas d'ultra, mais un Fenard en rare. Allez, 3 boosters pour cette fin d'ouverture. J'espère que ça vous a plu. Il nous reste encore donc 2 paquets. Plus après, je vais recommander. Alors, j'espère que je vais réussir à avoir des solo packs. Je devais prendre des solo packs. J'espère vraiment que je vais réussir à avoir des solo packs parce qu'il n'y en a plus. Si j'arrive pas à avoir des solo packs, je prendrai, je pense, des displays. Ou alors, je reprendrai des tri-packs. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que les solo packs, ils sont en rupture. Je ne sais pas s'ils vont en avoir de nouveau. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que je prends un display ou est-ce que je reprends des tri-packs? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Colombo, Énergie Frayeur, Verpom, Bibichu, Embrochet, Miaouss de Galar, Arakdo, Archéodong. Et non, pas d'ultra, mais Charmilly derrière en rare. Il reste 2 boosters. Il reste 2 petits boosters pour aujourd'hui. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. 1, 2, 3, 4. C'est une belle série, très très belle série vraiment. Et il reste encore un paquet de boosters à ouvrir. Cours d'entraînement, Dimoclès, Lombré. Lombré, on l'a eu pas mal aujourd'hui. Hein. Voltorb, Caninos, Fantirme, Blitzy, Opermine, Toxizap en reverse et derrière, Blizzaroi en rare. Allez, on croise les doigts, j'espère qu'on va avoir une petite gold sur celle-ci. Ça serait bien. Ou même une ultra, n'importe quoi. Mais quelque chose de cool pour finir cette ouverture. Ça serait bien. Allez, Bandana Brûlant, oui Messire, Carolina, Nounourson, Nenupio,
Kalinos, Charbi, Meditica, Fenard en reverse et... Et non, Arcanin en rare. Voilà, bon bah voilà pour cette ouverture. C'était plutôt cool. On a quand même eu nos 6 ultra, donc c'est pas mal. Et encore une fois, 4 holos. Je vous remontre ça rapidement. On a donc eu Lugularbre en double. Voilà, en double, en holo. On a Corium de Galar en holo qui est très joli. Pomme Drapi, ça on l'a déjà eu plusieurs fois. Le Salarsen V qui va aller dans la collection qu'on n'a pas. Blancoton en full art, magnifique. Lansorien en normal, en carte V. Lansorien en carte V, mais full art, très joli. Pachiraja en carte V. Et on a commencé avec le Becca Glaçon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hop là, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que cette série vous tente à mort, parce que moi, je la trouve vraiment géniale. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour qu'on se fasse la suite. Ciao !